4 avec Elvis Presley. Tous les grands acteurs du rock sont plus là forcément, mais je trouve qu'il y a encore des bonnes. Moi, j'ai pas trop à me battre parce qu'il y a eu des périodes plus dures. Franchement, après la période la plus dure, ça a été après le suicide de Kurt Cobain en 94. Ou alors là, ça s'est arrêté. Le rock s'est littéralement arrêté. En un an, il n'y avait plus un groupe grunge, il ne restait plus que Pearl Jam. Tous les autres groupes avaient arrêté et on a vu arriver la techno, on a vu arriver Daft Punk, on a vu arriver Tricky, The Prodigy, des trucs de machine, on a vu arriver une musique de machine qui a duré 7 ans, où il n'y avait plus du tout de solo de guitare nulle part. Tout le monde faisait des disques électroniques, tout le monde faisait de la recherche électronique, il y avait la French Touch, ça cartonnait, et le rock a failli disparaître. Je crois que c'était là la période la plus dure, 1994 à 2001. À partir de 2001, les Strokes reviennent, avec les White Stripes, les Libertines, un an après, et depuis c'est reparti, et souvent les gens parlent de ça dans des villes, ils me disent, mais alors l'avenir du rock, est-ce que le rock a un avenir? Moi je dis, écoutez, vous avez encore des gars comme Tom York de Radiohead, vous avez Josh Homme des Queen of the Stone Age, vous avez Alex Turner des Arctic Monkeys, vous avez des nouveaux talents comme Miles Kane, vous avez les frères Gallagher, on a encore des vraies forces vives dans le rock, il y a plein de... Vous avez, en plus, on a la chance d'avoir des grands anciens comme Bob Dylan ou les Rolling Stones qui lâchent pas le morceau, donc voilà. Le truc, c'est qu'on bat plus de records. Voilà, tout est. Maintenant, on est dans un monde où le rock a sa place. ACDC remplit les stades, Iron Maiden, Percy, tout va. Ça se passe bien, il y a une grosse activité rock.